Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre sur Énance TV. Comme d'habitude, heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle conférence avec Aurélien Millot. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Anatole, content de te retrouver, content de vous retrouver également, ça fait un petit moment. Bah Très content. oui, de même, bah oui. Alors ce soir pour un titre phare, hein, comment sortir de la matrice, tous biaisés. Alors on va essayer de voir quel est ton point de vue justement sur qu'est-ce qu'est la matrice, comment, alors pour certains, s'en sortir, est-ce que la matrice est un programme, est-ce que la matrice est un conditionnement intérieur, est-ce que la matrice est une légende, est-ce que la matrice est quelque chose qui a été créé. Alors, ça va être très intéressant justement d'avoir ton avis sur le sujet. Alors, Aurélien, tu es, pour les personnes qui te découvrent, je dirais, pour oui, un éveilleur, tu fais partie de ces personnes avec une intelligence supérieure, je dirais, parce que tu as une intelligence très ancrée de la vie. Tu es quelqu'un qui est très ancré dans la vie, mais au-delà de ça, tu as une intelligence supérieure avec une vision sur les choses très terre à terre, mais en même temps, je dirais vraiment dans le présent. C'est-à-dire que tu amènes les gens à se reconnecter, en quelque sorte, un petit peu à une conscience, mais terrestre. Voilà. Ce qui n'empêche pas, bien évidemment, une connexion aussi plus spirituelle. Bah, bonsoir également aux personnes qui nous regardent ce soir. Sylvie, Angélique, Martine, Philippe, bonsoir Juliette, bonsoir Audrey-Yann, bonsoir à toutes les personnes présentes et bonsoir à toutes les personnes qui regardent cette vidéo en replay. Bien, Aurélien, alors déjà, peut-être, on peut déjà un petit peu essayer de voir dans un premier temps qu'est-ce que tu entends par exactement ce que c'est la matrice. Parce que c'est vrai, comme on en parlait juste en off, la matrice, elle fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Elle a fait beaucoup parler d'elle maintenant, on va dire, depuis presque, je dis pas de bêtises, une vingtaine d'années depuis la sortie du film Matrix, principalement. C'est ça qui a mis au goût du jour où des gens se sont dit, ah, mais oui, c'est exactement ça qu'on vit. Un film de science-fiction qui a pris une ampleur énorme dans le domaine de la spiritualité, du New Age aussi. Toi, qu'est-ce que tu entends par la matrice? Alors déjà, par précaution, je veux juste préciser que c'est un angle de vue. Enfin, on va essayer d'élargir le champ de conscience, le spectre de conscience, et notamment avec aussi toute l'interaction avec le chat. Et je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, loin de là. Comme je dis tout le temps, la vérité absolue, c'est la somme des vérités relatives. Donc, il faudrait entre guillemets empiler la totalité des pièces du puzzle, ok, pour voir la big picture, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la vue d'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on entend par matrice? Alors, qu'est-ce que j'entends ou qu'est-ce qu'on entend? Alors, déjà, on va essayer de voir sur le fait que sur cette définition, parce qu'en fait, on peut l'analyser comme tu l'as dit, alors soit de manière très avec beaucoup de hauteur, soit on peut le faire de manière terre à terre, absurde, psychanalytique. Ça peut être philosophique, ça peut être spirituel, ça peut être physique, métaphysique, comme ça peut être jusqu'à ésotérique, mystique, etc. Donc, on va essayer un petit peu de cliver, hein, d'élargir au maximum, pas forcément être que dans l'ésotérisme mystique, etc., parfois un peu inaccessible pour certains. On va essayer aussi de concilier, de prendre pas mal de points de vue, d'angles de vue, parce que justement, c'est peut-être aussi ça, la matrice, c'est aussi un biais, c'est-à-dire une perception en fonction, du regard et de la construction de chacun, individuellement et collectivement. D'accord? On va voir aussi cette interaction entre l'individualité et les interconnectivités qu'on a avec l'ensemble, avec le groupe, les groupes, etc., les sous-ensembles, etc., etc. Alors, pour répondre à ta question, sur un plan bah, rien que somatique, pardon, sémantique, autant pour moi, bah, matrice, ça vient du latin, ça veut dire, enfin, matricis, ça veut dire juste la mère. En gros, bah, pour la faire assez simple, c'est juste une structure, c'est un canevas, c'est, je veux dire en anglais, un pattern, c'est en gros, bah, un cadre, un paradigme, hein, quelque part. Rien de bien ésotérique en soi, tu l'as en mathématiques, tu le retrouves en neurosciences, tu le retrouves dans plein de, dans quasiment tous les, pas les corps de conscience, mais on va dire dans plein de dominantes, okay, qui soient de la vie de tous les jours, comme à plus ésotérico, mystique, ce que tu veux. Alors, pour te répondre déjà à la question, je ne pense pas qu'il y ait une matrice. Je pense éventuellement qu'il y aurait, hein, je parle au conditionnel parce que je suis pas un fait établi, des matrices. Hein. Il y en aurait plusieurs et peut-être autant d'individualités.
C'est-à-dire qu'on est 8 milliards actuellement, peut-être qu'il y aurait 8 milliards de matrices, peut-être même au-delà, sachant que dans le genre humain, on a été jusqu'alors à peu près 110 milliards d'individus sur cette planète, peut-être qu'il y en aurait encore plus, et on peut considérer que, en fait, ce sujet est extrêmement vaste. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait en parler pendant, on pourrait faire une vingtaine de conférences sur le sujet, dans la mesure où ça corrèle quasiment tout. C'est-à-dire qu'en fait, on peut parler à la fois des multidimensionnalités, si on va vraiment très très loin, des multidimensionnalités, de la transincarnation, on peut partir dans les notions d'égrégore, de forme pensée, des synchronicités, etc., etc., sur lesquelles on va probablement revenir. Hein, et comme on peut aussi tout simplement parler de des notions de filtre, de personnalité. Et qu'est-ce que la personnalité, persona en grec, hein, c'est le masque, le masque de la mascarade, c'est-à-dire le masque de la dramaturgie qu'on utilisait à l'époque de la Grèce antique. Donc concrètement, qui sommes-nous? C'est déjà la première base de la matrice. La matrice n'est pas que quelque chose comme un champ extérieur, c'est une construction qui est le fruit d'individualité, mais également aussi alimenté par nous et qui nous alimente en retour. C'est un petit peu la notion d'égrégore, sur lequel peut-être pour revenir sur la définition d'égrégore ou ce que peut représenter conceptuellement parlant un égrégore. Je sais, enfin, dis-moi si tu souhaites qu'on discute un peu de ça. Ou... Oui, bien sûr. Mais justement de discuter de ça, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis il y a peut-être 8 milliards de matrices. De matrices. Dans la mesure où, est-ce que la matrice, c'est pas finalement un enfermement de nos pensées? Tu sais, on dit, on voit un peu, je fais un peu la corrélation avec le film Matrix. À un moment donné, tu sais, il lui donne le choix en fait de prendre deux pilules. Soit tu restes un petit peu rouge. Dans ton monde où tu es enfermé, soit à un moment donné, tu t'ouvres véritablement une certaine réalité de la vie. Et est-ce que c'est pas parce qu'on a souvent tendance à aller voir ça, tu sais, dans quelque chose, comme tu l'as dit, de très ésotérique, de très spirituel. Est-ce que c'est pas finalement une forme de pensée où des fois, tu sais, tu préfères rester dans ton monde, tu préfères pas le voir finalement une certaine réalité sur toi, tu vois, que tu t'enfermes. Alors, on pourrait déjà, de manière crescendo, partir sur un principe qu'on est enfermé dans notre sphère, c'est-à-dire dans notre bulle de conscience, dans notre psyché et surtout aussi dans notre ego. Okay, d'ailleurs, je le traduis en anglais « age God out », ce qui sous-entend la membrane au-delà duquel Dieu est. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le choix de la segmentation avec le grand tout, avec l'ensemble. D'accord, c'est la métaphore de la chute du jardin d'Éden, de la séparation. Exister signifie se séparer. On a dû faire ce choix de la densité, mais surtout aussi de se séparer de l'intégralité, de l'ensemble, sans quoi c'est absolument impossible à conscientiser, à considérer. Hein, si tu es à la fois le peintre, la peinture et les personnages, comment tu te fais pour te voir? Tu es bien obligé de t'en extraire et donc on en revient à l'étymologie d'exister. Donc, en soi, déjà l'ego, il est... Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas du tout dans le schéma binaire l'ego, c'est méchant, et il faut le bannir, etc. Si on a des plantes, ou bien l'ego, en quelque sorte, c'est hashtag I love myself, tu sais, le selfie toutes les 10 secondes et je me roule les pelles dans la glace. Hein. Il y a peut-être un entre deux. Je pense que c'est un bon véhicule, c'est un très bon servant, mais c'est un mauvais maître. Mais l'ego est déjà une forme de... Enfin, la prison égotique, c'est une sphère, c'est déjà une matrice, d'accord? Donc, de par notre éducation, et d'ailleurs, même éducation, j'ai eu la même éducation que ma sœur, je n'ai pas du tout la même personnalité, donc il y a déjà des acquis. Enfin, c'est très vaste, c'est la construction, en quelque sorte, de toutes les influences extérieures, que ce soit la famille, que ce soit la culture, que ce soit la langue. On pourrait évoquer ça dans le linguisme, tu as des mots qui existent et donc qui façonnent de telle manière une construction cérébrale et autre. Donc, et ça, c'est que ce soit l'histoire, que ce soit tout, d'accord, par adhésion, par rejet ou éventuellement par mix, c'est-à-dire par assemblage et par donc déjà oui, on est déjà dans une matrice, on est déjà dans une structure dans notre cortex, dans notre cerveau. Donc ça, c'est une réalité, dans notre personnalité, c'est déjà le cas. Alors juste, je voulais rebondir aussi peut-être, mais je pense qu'on va y faire pas mal d'allusions, à Matrix. D'ailleurs, je me suis fait dans l'avion, là, en revenant de Chine, je reviens d'un mois de Chine, dimanche, je me suis fait justement le 4. Et d'ailleurs, il est très très bien, je l'ai préféré à l'intérieur,
complètement aux trois autres. Mais il faut savoir une chose, c'est que en fait, Matrix, le premier, et puis c'est une inspiration. C'est limite, pour ne pas dire du plagiat. C'est pas du tout des frères ou des sœurs, je sais plus comment ils s'appellent, Wachowski ou je sais pas quoi. À la base, c'est un Français, c'est Jean Baudrillard. Et d'ailleurs, dans le premier, ils leur font une allusion. Ils font une allusion avec le nihilisme, le fameux livre creux. Et Jean Baudrillard a toujours trouvé ce film complètement bidon. Pour lui, c'est très réducteur, c'est blockbuster, voilà, c'est un peu de l'entertainment, c'est de l'amusement, c'est mignon pour lui, mais lui, c'est quelqu'un, c'est beaucoup plus cérébral. Tu le retrouves même pas que, donc ça, c'est une inspiration directe de Matrix, mais tu avais quasiment l'équivalent Simulacron 3, qui date des années 60, que j'ai lu, qui est très très bien, qui est une forme de Matrix bis. Et ça existe depuis la nuit des temps. Tu retrouves le mythe de la caverne, tu retrouves, le fameux papillon le rêve du papillon de Zhang Zhe en Chine. Tu as quoi d'autre? Tu as la vie est un songe de La Barca, hein, philosophe du XVIIe siècle espagnol, enfin philosophe écrivain du XVIIe siècle. Voilà, donc tu l'as sous différentes formes. Tu l'as même de manière scientifique, la théorie de la simulation, Niels Bostrom dans les années 2003, d'accord, donc ça a 20 ans. Donc voilà, et ça c'est scientifique, tu vois. Elon Musk disait qu'il y avait 99,9% de chances qu'on soit dans une simulation, par exemple. D'accord. Donc là, je plante un peu le décor en disant que c'est pas. Et beaucoup de gens, Matrix égale Matrix, et on a toujours ce cliché qui tombe. Non, ce n'est pas un film, c'est un documentaire. Non, c'est un film. C'est peut-être beaucoup plus métaphorique que ça, parce qu'en fait, on peut corréler à plein de choses. Tu peux voir au-delà des logiciels, des binaires, des 0, 1, etc. Tu peux y voir aussi la main des égrégores, des formes pensées derrière tout ça. Et quelque part, c'est pas non plus antinomique, c'est pas opposé. C'est peut-être juste des métaphores pour ouvrir les consciences des gens, enfin les aider à faire en sorte. Mais si tu veux, en fait, ce schéma-là, ce dont on est en train de parler, et la première phase, c'est quoi? C'est une déconstruction pour reconstruire, rebâtir sur du roc. C'est ce qu'on appelle en grec la révélation. En grec, ça se dit apocalypse. Hein. C'est justement le travail qu'on est invité à faire actuellement, présentement, enfin dans cette période de temps, dans cette transition qui semble advenir, cette nouvelle ère éventuellement, qu'on retrouve dans quasiment toutes les philosophies ou spiritualités du monde, les mysticismes et autres. Et donc, en gros, on est invité, oui, à faire ce travail, que ce soit individuel et collectif, c'est-à-dire se remettre en question, s'analyser, se déconstruire pour se reconstruire. D'accord ? Qui je suis profondément ? Suis-je le fruit, la restitution de ce que les autres ont façonné, ont voulu de moi par action, réaction, ou assemblage, etc. Ou bien suis-je véritablement ? Voilà, ce sont des cheminements qui sont, les bases. C'est, connais-toi toi-même et tu connaîtras le mystère de Dieu et de l'univers. Enfin, des dieux et de l'univers, c'est dans la mythologie grecque. Dans la philosophie grecque, c'est ça 2500 ans. Hein. Donc ça, c'est pas nouveau en fait, en gros. C'est-à-dire que si on veut exclusivement le faire sur les notions de extraterrestre, l'intelligence artificielle qui est un peu dans l'air du temps, etc., oui, on peut y aller. Mais il y a peut-être autre chose. Ça, c'est peut-être un micro-volet de ce que peut représenter en quelque sorte là où les matrices. Voilà. Si je puis un peu faire une introduction comme telle. Voilà. Alors, une mise en matière. Justement, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant quand tu parles justement des philosophes grecs. En fait, c'est vrai que pour la plupart des gens, on est bloqué, comme tu dis, justement, sur Matrix. Or, que justement, de ce que tu expliques, c'est des concepts qui existent depuis fort longtemps. Bon. C'est vrai, tu as raison de parler de tout ce qui est extraterrestre et de tout ce qui est IA. Pour certaines personnes, la matrice est un programme qui a été inventé pour, si tu veux, permettre à l'humain de vivre une expérience, entre guillemets, sortir un petit peu de ce schéma répétitif. En fait, je connais des gens qui disaient que voilà, tant que l'humain vit une expérience d'incarnation et tant qu'il ne prend pas conscience, il répète en fait de vie en vie une expérience. Au moment où il prend conscience, il sort justement de ce cycle d'incarnation, donc il sort un petit peu de ce schéma un petit peu matriciel. Alors,
En fait, ça amène un petit peu à tous les possibles. Pour certaines personnes, on est simplement dans un schéma de conscience répétitif où tu rejoues un petit peu tes mêmes blessures, où tu rejoues un petit peu les mêmes choses, ou dans un autre, tu joues un programme, et dans un autre, finalement, la matrice est un concept aussi d'une certaine mesure qui a été aussi peut-être inventé pour se justifier, entre guillemets. Tu vois, on se justifie un petit peu nos problématiques, on se justifie un petit peu ce qui se passe dans notre vie en se disant « Ah ouais, mais c'est normal, on est dans la matrice. » Tu sais, c'est un peu comme des fois, oui, quand on parle de magie noire, ouais, non, mais c'est la magie noire, tu vois. Comment faire pour ne pas tomber, si tu veux, un peu dans les excès par rapport à la matrice et pas prendre la matrice finalement comme un… tu vois, on va dire que la matrice a bon dos dans l'histoire et en fait, on se détache un petit peu de tous nos… tous nos soucis, d'une certaine mesure. Tu vois. Alors, justement, en fait, bon, et je te rejoins, je connais très bien, et je ne dis pas que je ne prends pas parti, et je n'adhère pas à ces théories de la matrice extraterrestre, etc. Hein, je ne suis pas en train de dire ça, comme on peut aussi évoquer la matrice à travers tout ce qui est... la matrice archontique avec tout ce qui est notion de égrégore, etc., etc., l'akasha, les mémoires akashiques, enfin, toutes ces choses-là. Mais on peut aussi aller sur quelque chose de lumineux aussi, hein, la divine matrice, hein, sur lequel on va peut-être en parler. Alors, je te rejoins, un des biais, et qui pourrait être aussi, entre guillemets, programmé, ou bien un objet, entre guillemets, de volonté de détruire une émancipation. Parce que comme tu l'as très bien mentionné, si tu te dis que tu es dans une matrice, c'est en gros que tu es dans un film, mais en fait, tu es juste un figurant de ton film, tu as juste à l'observer de l'intérieur de toi-même. Donc, tu n'as aucune action sur la matière, aucune action sur la réalité, sur les lignes de temps. Et en gros, tu es juste… tu ne sers à rien, quoi. Donc, du coup, en fait, ça, c'est l'un des gros dangers et des gros… De l'éveil, enfin du cheminement sans fin de l'éveil, parce que c'est pas une finalité, c'est pas une médaille, hein, c'est une exponentielle. Disons que ce serait ça, ce serait de se déresponsabiliser en se disant on peut rien, c'est pas notre faute, c'est la matrice, c'est les dirigeants, c'est le deepfake, c'est le deep state, pardon, c'est tout ça. Et donc ça, c'est toujours la faute des autres. Et ça, la déresponsabilisation, spiritualisé, surtout dans le mysticisme, on sait très bien que c'est c'est la première marche sur laquelle la plupart des gens se cassent la figure et à juste titre, et moi le premier, hein, c'est dangereux de toujours remettre, c'est la faute des minorités, c'est la faute du voisin, c'est la faute des ceci, de cela, et puis en fait, on oublie une chose essentielle, c'est se regarder à l'intérieur. Parce que si on a compris une chose, c'est que nous sommes et nous intéressons. Alors ça, c'est des concepts, et puis après, il faut les vivre. Faut les ressentir. Mais si on part d'un principe qui n'est pas forcément universel, mais qui tend à l'être si on étudie le regard de l'ésotérisme, nous contenons l'univers et l'univers nous contient. C'est comme disait Rumi, tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan dans une goutte. Okay. Donc, ça sous-entend une notion de résonance. Alors, on entend très souvent parler de ça, mais la résonance signifie aussi que la noirceur que l'on voit dans ce monde, elle est à l'intérieur de nous. Donc, on la co-entretient, on la co-maintient, on est des co-créateurs, si on y croit, hein, cette loi d'attraction, mais aussi dans cette loi de co-création. Donc, déjà, de se regarder à l'intérieur, de soi, hein, plutôt que de déresponsabiliser, se dire, on ne peut plus rien, sinon c'est foutu. Autant, en fait, notre vie, c'est Netflix, quoi. On regarde juste des films et puis voilà, on n'a aucune portée dessus et ce serait quand même très, très dommageable. Et même la prise de conscience, dans ce cas-là, elle serait intégrée. Tu vois, comme quand tu dis tout le temps, ah oui, mais si je me suis dit ça à ce moment-là, c'est que c'était dans le dessin, etc. C'est pareil, on peut discuter du destin, la destinée et ou du libre arbitre. Est-ce qu'il y a un destin? Est-ce qu'il y en a plusieurs qui se superposent? Est-ce qu'il y a une multidimensionnalité? Ce sur lequel, à titre personnel, je crois, je ressens même, oui, je pense qu'on évolue à différents niveaux de conscience et à différents. Je pense que même on effectue quasiment l'intégralité de tous les scénarios à chaque seconde. Voilà. Tu disais quelque chose d'intéressant par rapport quand tu dis finalement, oui, les gens de la manière dont ils voient les choses, tu sais, peut-être à penser que voilà. Pas non plus vivre aussi dans un monde, tu sais, ça me rappelle une scène dans un film que j'aime bien qui s'appelle Fury, où à un moment donné,
il y a un des pilotes de char qui dit, il intègre la nouvelle équipe, si tu veux, et puis il y en a un qui lui dit, t'es croyant ? Il lui fait, oui, je fais partie de l'église baptiste. Et il dit, ah ouais, il fait, bah, attends de voir ce que l'homme est capable de faire à son prochain. Parce que c'est vrai, on peut avoir tous des belles images, on peut tous avoir, comme tu parles de concepts, on peut avoir tous des beaux concepts, mais c'est vrai qu'il y a une grande différence. En spiritualité, on en donne beaucoup. On donne, je dirais, pour la plupart des personnes qui enseignent, entre guillemets, un savoir, une expérience spirituelle, on donne des concepts pour permettre à des gens, à travers les expériences de chacun, de donner des clés qui vont pouvoir permettre, effectivement, à un moment donné, de pouvoir traverser telle ou telle épreuve. Mais il y a une grande différence, effectivement, entre écouter et se dire « Ah ouais, c'est génial !» et l'appliquer le moment venu. Parce qu'on peut passer sa vie entière à écouter, à lire des livres sur la spiritualité, à écouter des conférences, à faire tous les stages, toutes les formations qu'on veut. On peut faire ça. Mais si, quand le problème va se poser, qu'à un moment donné, la blessure va arriver, qu'à un moment donné, l'égrégore ou n'importe quoi va se poser et qu'à ce moment-là, on retourne, si tu veux, à notre condition totalement humaine et qu'on en oublie totalement ce qu'on a appris, ça ne sert à rien. Et c'est à un moment donné, c'est d'appliquer finalement un petit peu les choses. Et elle s'applique toujours, pour moi, la spiritualité, elle s'applique toujours dans l'adversité. Parce que quand tout va bien, c'est pas méchant, mais je veux dire, t'es en vacances, t'es au bord de la mer, t'es en train de boire un sirop, il y a les vagues, t'es bien, t'es bien, t'es tranquille. C'est pas méchant, mais t'es pas là la plupart du temps en train de te dire ah, c'est merveilleux, merci. T'es pas en train de penser forcément à la spiritualité. La spiritualité, pour la plupart des gens qui en viennent, ils en viennent tous parce que ça a été de la souffrance, parce qu'ils ne comprennent pas des schémas répétitifs, parce qu'on vit des trucs qui sont compliqués. Après, ça devient un mode de vie, mais ça devient enfin un mode de pensée plutôt. Tu dis, au bout d'un moment, ça fait partie de toi. Mais je dirais que c'est quand même quelque chose où c'est toujours à force de souffrance, mais il faut aussi appliquer les choses. Et tu vois, est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi dans ce que tu appelles la matrice, il n'y a pas quelque chose à un moment donné, est-ce que ça n'enferme pas non plus ? Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas, finalement, il n'y a pas un risque aussi d'enfermement, de pensée, de croyant ? Alors, si, bien sûr, mais en fait, je vais aller au-delà de ça. Si je le relais, je le relis, pardon, à tout ce qui est égrégore, où en gros, ça cesserait d'exister si on arrêtait d'y croire. Voilà. Ce serait assez simple en soi. Quand tu dis la spiritualité, alors j'ai bien aimé comment tu m'as défini sur la fin, sur le fait que je sois terre à terre. Je suis terre à terre dans mon approche spirituelle, bien que je sois aussi dans le mysticisme le plus profond. Alors j'en fais pas part aux gens, mais comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de faire 66 pays dans ma vie, pas en mode Club Med, hein, plutôt sac à dos. Je suis allé dans des endroits, enfin chamaniques en Inde, Mongolie, en Inde, Sri Lanka, enfin dans plein d'endroits du monde, en rencontrant des gens, vraiment, c'est pas de l'enseignement tel qu'on l'a de manière analytique, c'est plutôt du ressenti, c'est vraiment... Et en fait, la spiritualité telle que je la conçois, et telle que je l'ai, et sans avoir fait les voyages, depuis que je suis gamin, depuis que j'ai deux ans et demi, que je suis conscient, pour moi, en fait, c'est tous les jours. C'est un état d'esprit, c'est un état d'âme, la spiritualité. C'est pas un truc, voilà, c'est entre guillemets, la magie s'opère uniquement quand tu rentres dans un lieu de culte, si tu es croyant ou si tu es, peu importe, mais ou bien quand tu fais une prière, une méditation. Non, pour moi, c'est vraiment l'idée de contempler la vie, honorer le vivant, hein. Contempler, on a cette notion de temple, ouvrir le temple intérieur, pour moi, c'est primordial. Et c'est l'opérationnel, en fait. C'est tous les jours. Sinon, comme tu l'as dit à juste titre, et moi j'enseigne sur cette manière-là, type en anglais, normalement les enseignants sont en anglais, type ça veut dire le conseil, c'est théorie, intuition, pratique. Comme on dit en anglais, practice makes perfect, ça veut dire la pratique mène à la perfection. Ça sous-entend, en gros, bah, comme tu l'as dit, t'as beau, excuse-moi, hein, te palucher, j'ai des centaines et des centaines de bibliothèques, tu as ça dans ta tête, oui. Tu es un sachant, tu es juste, tu as non pas de la connaissance, tu as du savoir. Mais le mettre en pratique, je vais donner un autre exemple, c'est un petit peu comme, je sais pas, le prêtre qui serait conseillé en couple ou enfin matrimonial ou bien sexuel.
s'il a jamais pratiqué, bon, tu vois ce que je veux dire, tu peux apprendre le Kama Sutra par cœur ou l'amour, enfin toutes les, bon, si tu ne l'as pas expérimenté, si tu n'as pas eu ça à l'intérieur, eh bien, c'est pas que c'est vain, c'est juste, c'est conceptuel encore une fois. Donc, on est invité, en effet, à tout vivre, comme tu l'as mentionné. Cet ensemble fait aussi que ben, on est là pour recomposer ben, les différentes pièces du puzzle, enfin, le puzzle complet, avec justement cette notion de dualité que j'ai exprimée. Enfin, la dualité, c'est quoi? C'est la séparation. On a été séparés dès le début, on a fait ce choix aussi, à la base, hein, en s'incarnant dans la matière. Un carne, c'est la viande en latin, pas très glorifiant, mais... En gros, on fait la rencontre de ce que l'on est grâce à la rencontre de ce qu'on n'est pas, en fait. Donc, le véritable « je suis » dont on parle tout le temps, on pense que c'est égotique. Non, c'est l'essence. Le « je suis », c'est l'essence, d'accord ? C'est là, on sort de cette matrice, cette fameuse matrice. C'est l'essence divine. Quand dans la Bible, mais je peux vous sortir dans plein de philosophies ou spiritualités, n'importe quel contrée du monde, mais dans la Bible, pour ceux qui connaissent, quand justement Jésus dit « avant qu'Abraham fût, je suis », ben, on ne comprend pas trop, parce qu'Abraham, c'est 3300 ans, c'est à l'époque des Sumériens, etc. Donc, c'est plusieurs millénaires auparavant. Comment ça « je suis » alors qu'il fut... Enfin, on a l'impression qu'il y a une confusion grammaticale. Non, ça veut dire qu'il est dans l'absolu. Il est le « je suis ». Il a recouvré sa divinité. Okay, la dimension christique, c'est ça, c'est la divinité qui se fait chair dans l'homme, entre guillemets, il a recouvré ça. Il est né, on est avec, et on l'oublie pour mieux le retrouver. Donc après, évidemment, ça passe par toutes les segmentations de la matrice, c'est-à-dire de la matrice des matrices, pour recomprendre, et aussi, en fait, j'insiste, la notion de déconstruire pour rebâtir. Ça, c'est super important. Alors, juste, je veux pas que ce soit trop nébuleux. Alors, moi, j'ai une trame, mais je veux pas forcément la suivre, parce que sinon, ça fait très académique et j'aime pas du tout ça. Je préfère vraiment une interaction. J'espère juste que les gens se diront pas, mais c'est complètement décousu, ça part dans tous les sens. Voilà, on va essayer juste de faire un... Non, mais pas du tout, au contraire. Une causerie, je pense que c'est... Non, bien entendu. Bah, justement, je voulais ton avis par rapport au karma. Oui. Le karma, pour toi, parce que c'est un petit peu, j'ai envie de te dire, on est un petit peu dans quelque chose souvent par rapport au karma. Oui. Alors là, c'est pareil, les avis sont très différents. Pour certaines personnes, le karma n'existe pas. Pour d'autres, justement, tu viens régler. En fait, tu viens régler des liens karmiques, des trucs comme ça. Est-ce que ça non plus, ce n'est pas dans une certaine mesure, le karma, un truc qui a été fait aussi pour se dire, tu vois, un petit peu comme la matrice, de se dire, on se cache un peu derrière le karma. Ouais, mais tu comprends, si j'ai pas d'argent, ouais, mais c'est normal. Dans une ancienne vie, j'en avais plein, j'ai fait n'importe quoi, ce qui fait que dans cette vie, ben voilà, alors, je suis venu vivre ça. Alors, dans une perception purement humaine, binaire et un peu limitée, c'est vrai que ce serait, tu hériterais de tout le bagage que tu as fait antérieurement, alors que c'est peut-être pas tout à fait ça. Ce serait plutôt, en fait, le fait, et ça, je me souviens, c'est une très belle mention de... Ça préface en fait l'ouvrage de Paulo Coelho sur Aleph, que je vous invite véritablement à lire ou à relire. Il est magnifique, et en fait il préface comme tel en disant que le karma, en fait, c'est le fait d'agir d'une certaine manière présentement pour qu'il y ait en fait un effet sur ton passé, okay, pour le nettoyer éventuellement, d'accord, pour qu'il y ait en fait un tremplin sur ton futur. Donc en fait, déjà là, il évoque quelque chose de super important. C'est pas une linéarité du temps, c'est qu'en fait, dans ton instant, tu peux aussi avoir un impact sur ton passé. Je sais que ce n'est pas du tout intuitif, et c'est contre-intuitif, et ce n'est pas du tout conventionnel et occidental, hein, ce que je dis. Encore que ça tend à l'être par certains téméraires de la science, mais bon, la rétrocausalité, etc., Guimond, et ainsi de suite, ou bref, je ne sais plus son nom. Jocelyn, bref. Bon, c'est des choses en fait qui... le karma, si on se dit c'est figé, c'est en gros, je vais te la faire assez simple. Le karma, tel qu'elle est perçue pour beaucoup de personnes, et je fais abstraction de la dimension mystique parce que je vais en parler, ce serait un petit peu, bah, comme on dit, le destin, il est comme ça, il est figé. Bah, en gros, en fait, tu sais, quand je vais prendre une analogie, c'est comme les gamins, ils sont dans leur... Tu sais, dans leur... Le petit circuit, là, tu sais,
Un petit parc d'attractions. Et puis, tu sais, ils ont beau faire ça, ils le font dans tous les sens, bah, ils vont pas forcément aller à droite, à gauche, parce que les grailles, ils sont déjà faits. Donc ça, ce serait le dessin, la destinée, etc. Sauf qu'il y a peut-être quand même un entre-deux, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a une notion de libre arbitre, et ça, c'est ce que j'ai pu constater, notamment à la rencontre des différents personnages dans ma vie, et un peu partout dans le monde, c'est qu'en fait, il y aurait une superposition, en fait, des lignes de temps. D'accord ? Sous-entendu que, en fait, elles n'interfèrent pas entre elles et que c'est uniquement en fonction de ta fréquence. D'accord ? On sait que tout est énergie. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein. Donc, ça, c'est vraiment un pilier de la science. On est d'accord quand même, qui disait tout ce que vous avez appelé matière, c'est de l'énergie qui a été rendue perceptible à votre sens, y compris comme tel, il n'y a pas de matière. Et là, il y a une chose extrêmement intéressante et qui est corrélée. Il dit une chose suivante, il dit « Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. » En gros, faites vibrer la fréquence de la réalité que vous voulez, donc en gros, tu visualises un futur, etc., et tu ne peux pas ne pas l'obtenir. En gros, bah, tu es sûr de l'avoir. Donc en gros, c'est comme si, en fonction de ton degré vibratoire, okay, donc de ta conscience avec un petit C, eh bien, tu te projetais sur un tunnel parmi tant d'autres, d'accord ? Du même ordre, les métaphores permettent de sortir du cadre conceptuel. Donc, je vais donner une analogie. Quand j'étais gamin, j'ai vu ce flash, j'avais 12 ans, hein, pour te dire. C'était les graffitis animés. En gros, j'illustrais en disant, voilà, sur une rame de métro, en fait, sur le mur, tu fais des dessins enchevêtrés. Donc, qui n'ont aucun sens quand tu les regardes comme tel. Mais c'est le fait de passer en métro qui, avec une vision stroboscopique, ok, pour la technique, ok. Bon, tu passes avec la ligne 1 et le chat mange la souris, par exemple. D'accord ? Et bien, 10 minutes plus tard, les gens qui regardent la même scène avec un autre wagon, le chat va remanger la souris et ainsi de suite. Mais peut-être que sur la ligne B, la ligne 2, je ne sais pas, ou la ligne 3, il y a un autre scénario. La souris, elle dort, elle chante parce que le chat dort, etc. Enfin, tu peux faire tous les scénarios possibles. Et en fait, tout dépend de notre degré d'attention, notre point de focal, de focalisation. C'est ça la conscience. La conscience avec un petit C, okay, ce serait, entre guillemets, le fait « je regarde quel film par rapport à d'autres ». D'accord ? Je peux faire aussi, je suis obligé de corréler à plein de concepts. D'accord ? L'espace-temps. C'est quoi l'espace-temps ? Pour la résumer, pour la faire assez simple, le temps, c'est ce qui évite que tout arrive d'un coup d'un seul. Sinon, je sais pas, tu regardes un film condensé en, je sais pas, un film de 2 heures, tu le condenses en x2, c'est 1 heure, bon, ça se regarde. Tu le regardes en x4, ça se regarde encore, mais c'est un peu chaud. 8, impossible. Tu le multiplies par 6000 et pouf, tu l'as en 1 seconde. Tu comprends que dalle. Pourquoi ? Parce qu'il faut le lisser, il faut le déplier comme un tapis dans le temps et dans l'espace. D'accord ? Il faut du temps, parce que sinon, pour éviter que tout arrive en même temps. Et l'espace, c'est pareil. C'est pour éviter que tout soit concentré au même endroit. D'accord ? Donc, ça, ce serait juste déjà cette espèce d'espace-temps. Mais tu peux te dire que, imagine, en fait, tu as 2 films à regarder en même temps. Alors, c'est faisable, en vitesse normale. Hein. 3, impossible. Enfin, c'est chaud et en plus, tu vas louper des trucs, c'est évident, des détails et autres. 4, j'en parle même pas. Allez, 10, c'est impossible. 8 milliards de films qui se passent chaque seconde. OK ? Ça s'appelle la vie, le vivant. Hein. Le vivant qui s'expérimente à travers nous, la métaphore de Dieu. Hein. La grande conscience. Quand Victor Hugo dit la conscience, c'est Dieu qui s'exprime en l'homme, c'est magnifique. Il a quelque part un peu tout résumé. Donc, en quelque sorte, nous serions, si je puis dire, des assistants, entre guillemets, pour... qui permettent, en fait, de choisir un scénario plutôt qu'un autre. Mais il y a, je pense profondément, viscéralement même, je ressens, il y a un libre arbitre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une infinité même de petits toits, Anatole, qui existent dans chacun de ces scénarios. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple un peu pragmatique. OK, alors à l'extrême, OK, alors là, en fait, on va enfin, on part dans une apocalypse ténébreuse, c'est-à-dire ça va être le chaos total, guerre nucléaire, machin, on va tous mourir, c'est le désastre, ok ? Donc, toi, tu as décidé, parce que tu vibres ça, de partir là-dedans. Sauf qu'il y a un petit Anatole qui existe dans chacun des petits scénarios. Donc, il y en a un qui existe aussi, mais ta conscience, elle est là-bas. Donc, à la limite, tu t'en fous qu'il y ait un autre Anatole qui soit plutôt utopiste ou tout au moins lumineux et qui est
convaincu que, ok, ça va être difficile, mais qu'une nouvelle ère arrive et que ça va être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vertueux, etc. etc. Donc, bon, imagine que moi, je suis à l'opposé de toi. Moi, je ne crois pas du tout à ce côté ténébreux, mais je crois complètement à le côté vertueux. Ok, enfin lumineux, tout au moins. Eh bien, je coexiste aussi dans les deux. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, mon petit moi qui n'a pas la conscience, il va te dire, bah, Anatole, t'avais complètement raison, c'était complètement des conneries ce que je disais, les trucs lumineux, c'était de la merde. Ok, pour être cru, désolé. Et puis, bah, toi, tu me diras, parce que ma conscience, elle saura, je parle au futur, mais bon, allez, je devrais parler au conditionnel, ma conscience, elle serait dans ce point lumineux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En fait, tu regarderais le film que tu veux regarder dans lequel je coexiste. Et en fait, on coexiste tout par, enfin, à chaque endroit. À chaque ouais, donc ça fait des milliards de possibilités dans un sens. Ah oui, oui, ça fait même une infinité de possibilités. Voilà. Voilà. Mais alors, comment savoir qu'on prend la bonne? Eh bien, alors, la bonne, bah, faut revenir à un côté un peu intuitif. Quand je te dis théorie, pratique et au centre, tu as volontairement l'intuition, c'est qu'aussi, il faut ressentir. On est vraiment, on a été, justement, alors ça, c'est un biais de la matrice sociétale, occidentale, consumériste, un monde d'image sur lequel, bah, en gros, un peu la vision biaisée, d'ailleurs, de Descartes il n'y a qu'une matérialité, ce qui est faux, parce que Descartes était un rosicrucien et ésotériste, et il parlait de la glande pinéale comme le siège de l'âme. Donc, pas très cartésien, le monsieur. Bon, bref, mais on va dire que, voilà, si ce qui n'est pas démontrable, Saint Thomas, en gros, ça n'existe pas, c'est du bullshit, c'est croire au Père Noël, c'est croire, j'en sais rien, aux fables, etc., pour une grande partie de la population. Donc, en fait, pour revenir sur ce point, j'en ai perdu le fil d'ailleurs, je me suis perdu dans justement, peut-être que je viens d'arriver dans Aurélien avec les souvenirs du passé, mais là j'avais fait un bug, non je déconne, c'est une petite boutade pour rebondir. Oui, comment savoir, bah, en fait de ressentir, est-ce que ça vibre ou pas? C'est assez simple. Comment est-ce que ça vibre? C'est-à-dire, alors, il ne faut pas tomber non plus dans le préjugé où « ah non, je ne le sens pas ». Et d'ailleurs, parfois, quand on dit ça, ben, on se rend compte après coup, bah non, c'était un préjugé, je ne sais pas, il y avait un truc qui avait mal été réglé en moi, il me rappelait, je ne sais pas, elle me rappelait mon ex, et forcément, j'ai été traumatisé, je dis n'importe quoi, mais, ou je ne sais pas, ma mère, mon père, enfin, j'ai eu un trauma quand j'étais gamin, je ne sais pas. Et donc, mais sinon, être intuitif, c'est-à-dire, est-ce que ça vibre en moi? Est-ce que je suis en harmonie, en fait? En fait, je pense qu'on pourrait résumer les choses, malheureusement, de manière binaire, mais il semblerait, selon pas mal de théories, mais on pourrait résumer par le courant miracle, pour ceux qui connaissent, c'est une initiation qui prend un an, c'est assez fastidieux. Mais bon, en gros, pour résumer, il y a l'amour, donc on va dire l'unité, je préfère dire ça, et la peur, et qui serait la segmentation, d'accord? Donc, à chaque fois qu'on vit un moment où on a une rencontre, il faudrait qu'on se pose cette question, et on ressent les choses. Parce que dans ce schéma, encore une fois, matérialiste, on a tout basé sur le fait de conceptualiser, la dimension analytique, c'est-à-dire d'analyser. Alors c'est bien, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas analyser, il ne faut pas que ressentir non plus, mais en Asie, en Orient, on a beaucoup ce côté de ressenti en fait. Et en fait, je pense qu'un bon mix des deux serait davantage, entre guillemets, productif, si je puis dire. Mais ressentir déjà les choses, bah, tu sais si tu es plus ou moins sur une bonne voie, parce que, je ne sais pas, tu l'as dans ton ventre, tu l'as chevillé au corps, tu vois, c'est quelque chose qui vibre en toi, tu vois, c'est quelque chose d'harmonieux. Il y a des choses qui ne trompent pas. Alors, on va me dire, oui, mais tout est subjectif, la notion de morale, etc., à travers le temps, je suis complètement d'accord. Mais quand tu fais quelque chose que tu estimes comme une bonne action, tu sais que tu vas dans la bonne direction. Quand tu vas te coucher le soir et tu dis oh, merci, tu es fatigué, mais tu as fait quelque chose, tu as effectué et tu te sens bien par rapport à ça. Je veux dire, il n'y a pas besoin même d'être super intuitif pour ressentir que tu es à ta place, que ça se passe bien, que tu as fait des belles choses, tu vois, et que, tu vois, si la mission de certaines personnes est de tout détruire, mais encore une fois, c'est le fruit souvent de chagrin à l'intérieur, c'est de trauma. Moi, j'ai beaucoup étudié beaucoup de grands dictateurs de la planète.
ils sont tous névrotiques, ils ont tous des gros traumas de l'enfance. Mais vraiment, c'est des gens qui sont des psychopathes. Donc, c'est des gens en souffrance. C'est des gens qui, que ce soit Staline, Hitler, etc. Hitler, il mettait le chauffage à 15 tellement il avait des bouffées de chaleur parce que le mec avait des palpitations. Staline a fait assassiner sa famille tellement il était parano. Il disait je ne crois en personne, même pas de moi. Je doute de tout le monde, et même de moi. Donc, c'est dire. Tu vois, donc ces gens, en fait, c'est l'extrême. Mais en gros, même la notion, en quelque sorte, de. Alors, je ne vais pas rentrer dans la notion de bien et de mal, bien entendu, mais. C'est une sorte d'appel au secours, en quelque sorte. C'est une souffrance. Alors, encore une fois, ça pourrait être un raccourci en disant « Ah ben non, mais c'est une souffrance, donc c'est pas de sa faute, etc. » Déresponsabilisation. Non, c'est pas ça. Bon, pour revenir à ton point, ouais, l'intuition aussi, il est très important de ressentir les choses. Est-ce que je vais au bon endroit? T'as des indicateurs aussi. Puis t'as des gens aussi qui vibrent ou pas. Je sais pas, il y a une rayonnance. Il y a n'est-ce pas le nom de la chaîne? T'es rayonnance. Je sais pas, parfois, c'est un côté aussi. Non, mais je te pose la question parce que tu sais, beaucoup de personnes ont du mal à penser, comme tu dis, à l'intuition. C'est vrai, on le sait tous quand, si demain je dis à quelqu'un, saute du pont. Il va me dire, mais t'es barge ou quoi? Je vais pas sauter du pont, je vais mourir. Et s'il y a une personne, au contraire, je lui dis, tiens, je te file 150 €, là, non, mais je t'assure, prends-les, la personne les prendra, tu vois, on sait, les gens savent très bien pour des choses, tu vois, très simples, ce qu'il faut faire ou pas, mais il y a pour d'autres situations, il y a des gens qui, tu vois, tu parles, ça, c'est les gens qui sont à l'écoute de leur intuition, mais la plupart des gens sont à l'écoute de leur mental, tu vois, et c'est le mental qui prime, c'est pas l'intuition qui vient en premier, c'est le mental, donc comment… Pour une personne qui est mentale, si tu veux, d'abord être dans le ressenti avant d'être dans le mental. Alors, bah ça, c'est le lâcher prise. Ça demande la pleine conscience est une excellente école. La pleine conscience. Alors, on pense que c'est une méditation. Oui, certes, ça peut être une méditation. Comme ça, je ferme les yeux et puis je suis au fait de mes sens, les cinq sens, tels que alors les perceptions d'un oiseau, d'une perceuse, de toutes ces choses-là. Mais à la base, c'est un autre truc qu'on a complètement occulté, c'est que c'est de la prière opérationnelle. En gros, je coupe mes carottes, je me prépare ma bouffe, etc. Je suis à fond dans l'instant présent. Je suis ancré dans la manière à ce moment présent. Le pouvoir de l'instant présent, grand classique de Eckhart Tolle, lisez-le chaque année au moins une fois, il est extraordinaire, il est de simplicité. Il est simple de complexité et complexe de simplicité, en fait. Et en gros, bah, c'est en fait, la pleine conscience permet, en fait, justement, notamment, c'est un des outils qui permet de minimiser l'impact de l'ego. Et il y a une technique, notamment, qui est le fait de s'observer. Okay, ce n'est pas de la schizophrénie, hein, c'est le fait de s'observer dans une scène. C'est-à-dire, tu te vois, tu es complètement ancré dans ton personnage, dans la mascarade, avec ton masque, etc. Et tu es Anatole, dans ma réunion, en tant que chef d'entreprise, etc. Et je commence la moutarde de m'entonner parce que, bah, pour différentes raisons, puis j'ai mes bonnes, mauvaises excuses de m'énerver, par exemple, et je m'observe. Et je me regarde de l'extérieur. Et on voit qu'il y a les compétitions d'ego qui rentrent. Compte, etc. C'est fictif ce que je dis. Eh bien, au plus tu fais ça, au plus, eh bien, déjà, tu minimises l'impact de ton ego, parce que tu commences à t'en amuser, etc., etc. Et puis, les autres aussi, c'est très, très amusant. Le jeu de l'ego, c'est très, très divertissant, on va dire. Mais en fait, tu lui donnes moins de poids. Et en fait, surtout, tu vas avoir tendance à t'extraire, en fait, du personnage. Et ça crée déjà la dimension intuitive, d'accord ? Technique, hein, le fait, alors, c'est très difficile, mais l'absence de pensée, sans dévoiler le mythe de la Transcendental Meditation, la méditation transcendantale, qui est un label... Qui est complètement ridicule, parce qu'en gros, c'est la technique du Bouddha. Hein. Donc, elle a 2500 ans et on l'a labellisée dès que ça, c'est un aparté. En gros, c'est l'absence de pensée. D'accord ? L'absence de pensée, c'est très dur, mais ça vient, moi, quand je l'enseigne avec une seconde par seconde. C'est-à-dire que déjà faire une seconde, c'est bien. D'accord ? Deux secondes,
3 secondes, et ainsi de suite. Et après, au plus, parce que si on veut toujours être dans cette quête, et qui, encore une fois, c'est la matrice, c'est le système de performance, ok, comme je dis pour rigoler parfois, il n'y a pas de Jeux Olympiques de méditation, heureusement. Comment déjà avoir les résultats? Mais non, c'est plus par provoque, c'est en se disant, il faut y aller à tâtons. Mais le fait de faire abstraction aux choses, en fait, tu te décorrèles de tout. C'est l'art de l'abstraction, mais quand tu fais de la biologie ou de la physique, etc., en conditions de laboratoire, ça veut dire de conditions aseptisées. Ça veut dire qu'en fait, tu as viré tout l'ensemble, en fait. Bon, alors je sais, ça encore une fois, ce que je dis, c'est conceptuel, mais tu as de la technique à côté. Et puis, encore une fois, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça prend du temps. Ça, c'est une autre chose aussi qui est très importante pour, entre guillemets, s'extraire progressivement d'une forme de matrice, c'est aussi de considérer que ça prend peut-être une vie, voire plusieurs. Et surtout que no pain, no gain, comme on dit en anglais, sans effort. Et encore une fois, il n'y a même plus une notion d'effort, parce que normalement, la quête d'émancipation de conscience, c'est un plaisir. Mais si tant est que c'est long, c'est un investissement. En fait, c'est pas. On a aussi dans une spiritualité aujourd'hui, je peux déplorer parfois, de beef gadget. C'est-à-dire, on veut que du fun, du truc rapide, alors une formation en 45 minutes, et si j'ai pas compris, c'est le prof qui est ou le thérapeute qui est débile, qui est mauvais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu la société du zapping aussi. Et ça, c'est le consumérisme qui est arrivé dans la dimension New Age, dans la dimension, pas que, hein, j'avais écrit mon mémoire d'études il y a 20 ans sur spiritualité et marketing, en expliquant le marketing de la spiritualité et inversement, qui existe aussi dans la religion. Hein. Je suis désolé, les chiffres entre le Vatican pour savoir combien il y a de chrétiens, de catholiques et de musulmans, etc., c'est des petits détails de clocher, hein, c'est part de marché. Hein. Donc bref, je vais pas aller trop loin là-dedans, mais encore une fois, quand je dis ça, c'est pas des offenses. Et je suis à l'intérieur de la matrice, je fais partie aussi du jeu. Hein, mais voilà, ce sont des techniques qui permettent de, oui, développer. Mais pour te dire, j'ai un ouvrage qui s'appelle, tous mes ouvrages sont gratuits, donc je fais pas de la pub pour faire de la promo, qui s'appelle Récréation. Il y a 120 techniques opérationnelles pour développer son intuition et sa créativité. D'accord, donc voilà, je peux t'en donner 120 si tu veux, on n'a peut-être pas le temps, mais voilà, c'est un cheminement, c'est progressif, et je peux concevoir tout à fait que les gens très hémisphère gauche, c'est-à-dire la rationalité, hein, le côté quadrique, hein, c'est en fait, quand vous regardez le symbole du canon de Vinci, hein, le manpower, pour ce qui est l'homme de Vitruve qui est dans un carré, dans un cercle, c'est la partie gauche de l'hémisphère, c'est-à-dire la rationalité, le mental, et la partie ronde, en fait, c'est l'hémisphère droit, qui est plutôt la partie féminine, et donc l'ouverture, l'intuition, etc. Pourquoi on aspire tant et on parle autant actuellement? Il y a une confusion des genres, si je puis dire, confusion des genres, transgenres et tout ce qui en suit, du féminin sacré. Parce que, en fait, la véritable intuition et la véritable accès à la spiritualité, c'est à travers le féminin sacré. Et ça veut pas dire que c'est cantonné à la femme. Ça veut dire que il faut aussi que l'homme comprenne qu'il a une part de féminité, comme la femme a une part de masculinité. Ça, c'est le yin et le yang, hein, c'est dans le taoïsme. Mais ouais, dans l'absolu, ou Ida, Pingala, chez les hindous. On sent qu'on est aussi dans une période, justement, c'est intéressant que tu en parles, où c'est-à-dire que effectivement, de plus en plus d'hommes s'ouvrent, tu vois, à cette part de féminin. Mais deviennent aussi de plus en plus féminins, donc en quelque sorte, un peu dans ce qu'ils sont, et les femmes de plus en plus masculins. Tu vois, c'est comme s'il y avait un inversement un peu des pôles. Alors, est-ce que c'est fait aussi un peu énergétiquement, justement, pour faire bouger un peu les consciences, pour que les hommes aussi un petit peu se réveillent, en quelque sorte, parce que il est vrai, quand tu dis à un homme, ça serait bien que t'ouvres un peu ta part féminine, si un mec n'est pas du tout dans la spiritualité. Le gars, qu'est-ce que tu me dis, toi? Voilà, c'est parce que non, voilà, alors que pas du tout. C'est, je veux dire, c'est comme tu dis, c'est notre sensibilité, c'est on l'a tous. On l'a tous. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des hommes qui s'y refusent parce qu'il y a un conditionnement qui a été fait aussi pendant des milliers d'années où l'homme devait être comme ci, devait être comme ça, il ne devait pas avoir sentiment, l'homme ne devait pas dire. Et aujourd'hui, on nous demande, en tant qu'homme, d'aller beaucoup plus nous exprimer sur nos émotions, sur justement, on nous demande d'ouvrir cette part féminine tout en restant aussi des hommes. Mais je pense qu'il y a aussi, dans une certaine mesure,
j'ai envie de dire, c'est pas pour se cacher, mais il y a toute une part de transgénérationnel, tu vois, d'ancêtres là-dedans. Oui. On a été très conditionnés. Nous, on récupère finalement que aussi de nos arrière-grands-parents, nos pères, etc., où on nous demande aussi d'aller changer complètement aussi notre façon d'être, tout comme les femmes qui vivaient pendant des milliers d'années, effectivement, un peu dans une forme de servitude par rapport à l'homme, et qui aujourd'hui prennent de plus en plus leur indépendance, bien qu'encore en 2023, je trouve que c'est abusé qu'on ne soit pas totalement égaux à tous les niveaux. Bon, enfin bon, voilà. Mais ce que je veux dire par là, et ça demande aussi à la femme aussi d'aller aujourd'hui s'imposer, dire non, nous on ne veut plus ça, voilà. Mais ça demande aussi de faire bouger les choses. Ben c'est sûr, en fait, toutes ces conventions, en fait, tout ce paradigme, ces paradigmes, c'est ça aussi la matrice. C'est-à-dire que c'est aussi la force que les gens ont d'y croire. Tu es une femme émancipée, aujourd'hui, c'est accepté, et encore, peut-être dans le monde occidental, tu fais la même chose dans un pays très puritain et ou fondamentaliste, etc. Bah, tu te fais, tu vas en tôle, ou tu, enfin bon, bref, j'imagine des pires choses. De la même manière, à l'époque, il y a encore même 100 ans, mais il faut même pas aller si loin. Je vais te donner juste un simple exemple. 1965. Moi, je suis né en 1980. D'accord ? Donc, 15 ans plus tôt, c'est comme si aujourd'hui on est en 2023, 15 ans plus tôt, c'est en 2008. 2008, c'est la crise des subprimes, c'est, enfin, pour retracer, il n'y a pas longtemps. Donc, quand je suis né, personnellement, 15 ans auparavant, les femmes n'ont pas le droit d'avoir un compte en banque. Alors, on va me dire, ouais, mais c'est matérialiste. Ce n'est pas du tout matérialiste. Ça voulait dire qu'elles étaient complètement bloquées par le mari. Elles ne pouvaient pas s'émanciper parce que si elles divorçaient, eh bien, c'était absolument invivable. Elles ne pouvaient pas avoir, en fait, d'indépendance financière. Et rien que ça, forcément, ça a tout chamboulé. Pourquoi il y a des gens qui pètent des câbles aujourd'hui et qui ne comprennent plus la société à certains égards ? Encore une fois, il y a peut-être des déviances pour certains. Encore une fois, je ne juge pas. Mais voilà, parce que tout est allé extrêmement vite, extrêmement vite. Et après, on peut le relier sur un côté social, un côté physique et un côté énergétique, et voire éthéré, etc. Donc, après, justement, c'est là où il y a une espèce parfois de gros chamboulement et donc de, un peu comme un cyclone. Mais bon, au final, ça change des choses, ça chamboule et ça replace aussi des choses à l'intérieur de certaines personnes et ça reparamètre également. Hein. On est aussi dans, consciemment et inconsciemment, sans cesse, tous les jours, dans une refonte, hein, une sorte de reset. Il n'y a pas que du reset, je sais qu'on l'entend tout le temps abusément, de manière genre le reset qui va être négatif. C'est une reprogrammation, on peut se reprogrammer, les métaprogrammes de l'inconscient, de nettoyer tes traumas de l'enfance, c'est la psychanalyse, hein, tout ça, mais ça peut être aussi énergétique. Les traumas de transgénérationnels, comme tu le mentionnais, moi, j'en parle sur ma chaîne, enfin, je l'ai évoqué sur plein d'aspects. J'ai même partagé ce que j'ai pu faire avec mon arrière-grand-père, que je n'ai jamais connu, qui a tout perdu, qui s'est fait spolier, tromper, enfin, le truc, voilà, et j'ai hérité de ça. Bon. Comment tu fais avec ça, après ? Tu vois, donc il faut en effet casser les liens karmiques, tout ça. Ça, c'est un nettoyage. Tout ça, ça fait partie du nettoyage. Du nettoyage de l'individualité, de nettoyage de ta lignée, enfin, déjà de ta famille, de ta lignée, c'est-à-dire même des ancêtres que tu n'as pas connus, donc le transgénérationnel et karmique. Tu vois, donc ça fait beaucoup, beaucoup à travailler. Et on a tous cette tâche qui nous incombe. C'est parfois, c'est éprouvant, mais qui dit éprouver, dit aussi preuve de foi aussi. Preuve de foi en quelque chose d'au-delà, de supérieur, qui nous guide aussi. Tu disais cette intuition. En fait, si tu veux, alors, je vais corréler le tout. C'est tout à l'heure, on a dit un peu aux deux extrêmes, t'as le gamin, en gros, c'est le dessin, c'est comme ça, c'est écrit, il est dans son petit manège, qui bouge ou pas, bon. Et l'autre qui est, entre guillemets, qui est de en fonction de ta vibration, et ou bien à l'extrême, ce serait le mec qui, non, je gère ma vie, etc., tu sais, un peu coach de vie, machin, bon. Ok, s'il n'a pas de spiritualité. Et après, tu as un entre-deux qui serait, j'ai un GPS, c'est-à-dire que je conduis, ok, je conduis, non pas une voiture Tesla qui se conduit tout seul ou le petit gamin dans son truc, je conduis, mais j'ai quand même un GPS, c'est-à-dire, entre guillemets, GPS, c'est un satellite qui permet de voir à distance. J'ai toujours utilisé cette métaphore pour les médiums, ok, au pluriel, la dimension médiumique. En fait, tu sors de ta conscience et tu as de la hauteur.
D'accord ? Donc, c'est comme Buson Fuité à l'époque. Ils étaient dans l'hélicoptère. Ce n'est pas qu'ils étaient Madame Irma. Ils voyaient juste les kilomètres de bouchons. Donc, ils orientaient les gens différemment. C'est un peu ça quand on a une dimension médiumique. En gros, on sort de l'espace-temps et on arrive à voir des lignes de temps. Mais de même ordre. Tu sais pourquoi ? C'est interdit dans quasiment la plupart des religions et dans beaucoup de spiritualités, tout ce qui est justement guidance et autres. Parce que le danger serait d'être figé dans une ligne de temps plutôt qu'une autre. Parce que si tu y crois, tu la co-crées. D'accord ? Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je ne dis pas que quand on dit ça, on est de mauvaise foi. Pas du tout. C'est que justement, tu peut-être en adhérant à ça ou en rejet, tu occultes, entre guillemets, tu occultes tout ce que tu aurais, tous les potentiels que tu aurais pu être. Je vais te donner juste, c'était... Ingegaard, Søren Ingegaard, c'est un Danois, en fait, c'est un philosophe qui dit à propos de Dieu, me donner un nom, c'est annihiler tous les potentiels que je peux être. C'est magnifique. Et je pense que c'est vrai aussi pour l'individu par rapport à indiquer une ligne de temps. Alors, si elle nous va bien et qu'elle nous convient, donc, comme je t'ai dit, truc lumineux, génial. Gardons-la comme ça. Hein. Mais je ne sais pas, est-ce que tu vois un petit peu ce que j'essaie de transmettre Ah oui, absolument. Oui, tu parles de ligne de temps, de potentialité, effectivement, multiple. Alors, c'est le libre arbitre. Est-ce que tu penses quand même que malgré tout, on a quand même des parts de destinée que l'âme est venue vivre et contre lesquelles, par contre, là, on n'y peut rien, tu vois. Peut-être une rencontre, peut-être nos parents, parce que j'ai envie de te dire, on parle de libre arbitre, mais pour moi, le libre arbitre, par exemple, quand tu es enfant. Excuse-moi, je vais être cru, mais quand tu as un enfant qui se fait violer tous les soirs, excuse-moi, il n'a pas trop de libre arbitre dans l'histoire. Un enfant qui se fait maltraiter, quand tu subis de la violence psychologique de la part de ton père quand tu as 6 ans, c'est difficile de regarder ton père dans les yeux et de lui dire « maintenant, tu ne me parles plus comme ça ». Tu vois, pour moi, le libre arbitre, il intervient le jour où toi, tu décides un petit peu où tu deviens même adolescent, tu es encore un peu sous la coupe de tes parents, le jour où tu n'es plus chez tes parents. Oui, tu as une forme de libre-arbitre dans tes choix. Mais tu vois, c'est pour ça que tu vois le libre-arbitre, moi, je me suis toujours un peu interrogé. Je dis pas que je pense qu'il y a des lignes de temps. C'est sûr, si ce soir, je bouffais japonais ou italien, je ne sais pas. Mais au-delà de ça, je pense que… Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quand même des lignes, entre guillemets, des balises, entre guillemets, oui, des balises qui sont placées dans notre vie dans lesquelles, si tu veux, on peut contourner. Mais par contre, que oui, on a une forme de libre-arbitre dans d'autres situations de vie, surtout émotionnellement. Parce que tu sais, il y a des gens, excuse-moi, juste, il y a des gens, par exemple, sur le Covid, il y a des gens qui ont vécu ça comme un véritable cauchemar, et il y en a d'autres qui ont vécu ça d'une manière très cool. Et on a tous vécu le même truc. Tu vois ce que je veux dire ? On l'a tous vécu. Donc, comment on vivait les choses ? Alors, tu as dit pas mal de choses très importantes. Alors, je sais que bon nombre s'accorde à dire qu'il y a un contrat d'âme, d'accord ? Donc, c'est un choix d'incarnation. Quand tu soulèves des exemples extrêmes comme tels, entre guillemets, tout peut s'effondrer. C'est-à-dire qu'en fait, à l'extrême, les guerres, les machins, tout ça, c'est tellement difficile de répondre à quelqu'un qui vient de perdre son enfant, ou etc., ou les viols, toutes ces choses abominables, c'est très difficile. Tout ce que j'ai dit peut être détruit du jour au lendemain, à l'extrême. Mais pour revenir sur ce que tu voulais dire sur ta question, en fait, si j'ai bien compris, en fait, c'est plutôt tous les chemins mènent à Rome. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux... oui, il y a des rencontres qui se font, qui se défont et qui doivent se faire. Il y a des retrouvailles, je pense profondément, il y a des retrouvailles qui se font. Il y a ça, j'en parle beaucoup dans mes ouvrages, dans mes vidéos, de tout ce qui est... tu as des âmes mères, par exemple. Âme, une âme, mère, comme une maman, d'accord ? C'est-à-dire, en fait, une sorte de constellation d'âmes, ok ? Qui intègre, qui entrelace différentes âmes, d'accord ? Donc, d'où cette notion de se retrouver, alors sous une forme ou une autre, et on a tendance à revenir tout le temps pour échanger un peu comme des chaises musicales. C'est-à-dire aussi, à l'intérieur de ça, en fait, il ne faudrait pas le voir de manière stricto sensus d'une vie. Il faudrait le voir sur un continuum de toutes nos vies.
C'est-à-dire qu'en fait, quand on a justement cette espèce de triptyque duquel il faut absolument sortir, et ça, encore une fois, c'est une matrice, du triptyque victime, bourreau, sauveur, ok, eh bien, très certainement que quand on est victime, bah, on a été bourreau, donc en fait, on comprend, mais sauf que tu n'as plus, la remembrance, tu n'as plus le souvenir, donc quelque part, bah, c'est bien beau, mais tu l'as plus, cette, comment dire, cette dualité, mais ton âme l'aurait, tu vois, là. Étant donné qu'elle est au-dessus de l'espace-temps et elle a cette vision d'ensemble, un peu comme vision futur de tout à l'heure. Donc, mais je pense à, intimement, mais vraiment, que oui, on se retrouve. Et je te dis, moi, je suis dans une, pas dans une quête nécessaire, mais j'aime qu'on se retrouve. Mais je vais te dire plus loin, je dis, ça c'est un koan, dans une, si ça vous intéresse, pareil, vous pouvez le télécharger gratuitement. 99 koans, c'est des phrases, on va dire, philosophiques qui peuvent amener à beaucoup de réflexions sur des niveaux. Bon, alors celle-ci, elle est assez simple, mais je dis tout le temps, on ne rencontre jamais personne, on retrouve une partie de nous-mêmes que nous avions perdue, ou bien slash oublié. Ça veut dire, en gros, ben, on est chacun une alvéole du poumon cosmique. Fait un peu pompeuse, donc on serait la conscience. Donc en fait, on est là pour se réapprendre et se retrouver, en fait, je pense, véritablement. Et parfois, ça fait clac, direct. Tu ne sais pas pourquoi, tu rencontres une personne quand tu es en voyage ou autre, et tu ne sais pas pourquoi cette personne, tu lui parles depuis 10 minutes, mais tu as l'impression que tu es plus proche de cette personne que de ta sœur, ton frère ou ton, je sais pas, ton meilleur ami d'enfance, quoi. Il y a un truc qui se passe, il y a une espèce de... Là, c'est vraiment de la remembrance. Et remembrance, c'est un mot très, très, très fort parce qu'il y a membre dedans. Donc, c'est un peu comme si c'était toute ta mémoire cellulaire qui retrouvait, qui se reconnectait, en fait. Et ça, c'est, après, c'est des... Comment dire? C'est comme si tu t'adressais... Enfin, c'est comme s'il y avait... Il y avait deux duos, enfin pas deux duos, mais... Une alchimie. Ouais, mais c'est comme si c'était dame à âme, en fait, c'est comme si elle se retrouvait. Donc, du coup, il y a une espèce de connivence qui s'instaure et très rapidement. Ça, c'est, je pense qu'on l'a tous vécu, c'est magique, c'est quand c'est comme ça. Et voilà, et je pense qu'on est dans ce moment-là, on est actuellement dans cette phase où on est en train aussi de se retrouver, tous. Mmh, absolument. Il y avait une personne qui posait la question par rapport aux annales akashiques. Oui. Et justement, la matrice, qui a été ton avis, justement? Alors, pour moi, la mémoire akashique, les mémoires akashiques, la bibliothèque universelle, peu importe comment on l'appelle, l'inconscient collectif et la matrice. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait, entre guillemets, ton champ des possibles à travers ce qui a été déjà fait. Okay, c'est un peu... Alors, c'est un peu comme si tu comparais ça en droit, d'accord? Dans le droit, dans tout ce qui est juridique, donc tu as les lois, et quand ça outrepasse les lois, tu as ce qu'on appelle les jurisprudences. Parce qu'en fait, elles viennent compenser ce qui n'a pas été établi. Donc, ce qui a été établi, les lois, ce serait la mémoire akashique, d'accord? Duquel bah, tu ne sors pas, et les jurisprudences, en quelque sorte, c'est des cas spécifiques, les jurisprudences, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop le droit. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une métaphore en disant, les lois, ce serait ce qui est déjà prédéfini dans tes mémoires akashiques et ce qui te fige, finalement, entre guillemets, dans plein de scénarios possibles, mais qui sont déjà plus ou moins préétablis. Tandis que l'autre, ce serait de la création pure. D'accord? Est-ce que tu vois un peu? Je peux prendre d'autres analogies un petit peu pour... Peut-être un autre exemple, parce que finalement, ce qu'on attend, nous, par les annales akashiques, la plupart des personnes, c'est d'anciennes vies. Des choses sont passées dans d'anciennes vies. Oui, alors c'est ça. En fait, c'est la restitution, c'est l'inconscient collectif. Hein, en psychanalyse de Freud, Jung aussi. Les mémoires akashiques, oui, c'est le passé de la même... C'est la bibliothèque universelle. Mais de là, c'est aussi ce qui a créé notre réalité, en quelque sorte, nos réalités. Mais la question, c'est soit on réitère et on fait toujours ce qu'on nous a toujours enseigné, ce qu'on a eu l'habitude dans nos mémoires cellulaires, dans nos mémoires de vie, d'incarnation, etc. Et en gros, tu ne changes jamais rien, parce qu'on va toujours refaire les mêmes scénarios d'un scénario. Enfin, tu changes les personnages pour que rien ne change vraiment. Hein, et pourquoi on dit, justement, ceux qui ne connaissent pas, alors il y en a eu une dizaine qui ont sorti Goethe, comme une dizaine qui ont sorti cette citation, ceux qui ne connaissent pas l'histoire seront contraints de la revivre.
D'accord ? Pourquoi l'histoire se répète sans cesse ? Eh bien, parce qu'on est dans ce carcan, piégé dans ce truc-là. Mais justement, c'est de... c'est, alors, comment dirais-je ? Comment, pour bien la formuler, on a été aussi conditionné à ne pas croire qu'on puisse sortir justement de ces paradigmes. Okay. Pourquoi on m'a dit que fallait être, je sais pas, comptable ou bien thérapeute ou bien artiste ou bien, tu vois, c'est quoi ces choix binaires qu'on nous a fait dès le début? J'aime ma mère comme j'aime mon père, j'aime mon fils, j'aime, et ainsi de suite. Pourquoi on peut pas élargir, tu vois? Donc en fait, sortir aussi de ces mémoires akashiques, de l'akasha, hein, parce que l'akasha c'est pas que les mémoires, c'est aussi ça peut être présentement parce que c'est en train d'enregistrer à ce moment-là, hein. Et surtout si on n'a pas de notion de linéarité du temps, on pourrait même dire que les futurs sont déjà dans la mémoire akashique. Mais le potentiel, le conditionnel, tout ça, c'est là où il faut encore sortir de l'espace. En fait, alors on pourrait visualiser comme une espèce de idéosphère, hein, onosphère, ok, autour de la Terre, mais peu importe comment on la visualise. Et puis, il faudrait aller encore au-delà, qui serait justement la source et la création pure. Hein. Et sinon, on sort jamais de notre roue de hamster, même si elle est grande, hein, parce qu'on a tellement eu de choses qui ont été faites et créées. Mais la créativité, par exemple, c'est la plupart du temps, ce n'est pas du téléchargement pur. Eureka, j'ai trouvé, bam, ça, la plupart du temps, 90%, c'est du mix. C'est un truc existant, et donc je prends un assemblage. C'est comme le mec qui fait le DJ, hein, il prend un son, il en prend un autre, il met un beat, il met ça, et il fait un assemblage. Hein. Il crée une nouvelle musique à partir de l'existant. Et la plupart de ce que l'on vit aujourd'hui, ce ne sont que des restitutions de ce qu'on a vu, encore une fois, je me répète, par rejet, par adhésion, par modelage, etc., que ce soit dans les films, que ce soit l'éducation, etc., dans notre entourage, etc. Ce que tu dis, en fait, c'est qu'on devrait un petit peu se détacher plus de ça pour finalement aller plus vers une meilleure version de nous-mêmes, pas rester figé sur ce qu'on peut entendre dans l'akasha. Oui, c'est ça, en fait. Il faudrait, en fait, l'idée, c'est en fait d'aller au-delà de ce qui a déjà été fait. Alors, je sais que c'est complète, c'est très difficile, mais encore une fois, tu sais, Moi, ça m'arrange pas du tout ce que tu dis, parce que dans une autre vie, j'étais Louis XIV. Alors, si tu me dis que là, d'un coup. Non, parce que souvent, tu sais, dans les années akashiques aussi, je pense que. Alors, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que souvent, je pense qu'il y a aussi une forme un peu, tu sais, de savoir, ah ouais, bon, dans cette vie, c'est pas top, mais dans une autre, j'ai été. Tu vois ? Il y a toujours cette part un peu. On cherche toujours un petit peu à se valoriser, par rapport, voilà, l'ego. Voilà. C'est pas toujours facile, en fait. Non, et la plupart du temps, alors déjà, tu peux faire la comptabilité du nombre de Napoléon. Il y en a eu quand même plus que de Napoléon lui-même. Donc, en fait, non, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que après, tu peux aussi capter l'énergie fréquentielle mémorielle à travers la cache. Ça ne veut pas dire que tu l'as été. Tu vois, tu peux très bien faire ce qu'on appelle, alors, c'est peu connu, mais tout ce qu'on appelle. Tout ce qui est médiumité incorporatrice, c'est quoi en fait ? C'est que tu te laisses pénétrer par soit l'entité, soit la dimension énergétique. D'où cette confusion et que beaucoup pensent avoir été soit Jésus-Christ ou Napoléon ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, quand tu dis l'ego, c'est carrément ça. Parce que c'est le truc, tu vas être fier. Moi, je prends toujours cet exemple de Shakespeare, être ou ne pas être, telle est la question, quelle est la question. En gros, je dis tout le temps, imagine j'étais Shakespeare, ce qui n'est pas vrai, mais imagine je l'ai été, donc je suis censé connaître un petit peu, et sauf que si je tombe devant une doctorante, par exemple, qui maîtrise parce qu'elle a une thèse sur lui, donc elle le connaît bien mieux, elle connaît finalement mieux ses textes que moi ou mon âme, tu vois. Donc, qu'est-ce que ça signifie finalement, au final ? Pas grand chose, comme tu dis, ça flatte l'ego, s'en fout un peu, quoi. Sauf si tu te dis, voilà, l'âme a appris à ce moment-là d'être Louis XIV, donc peut-être tu as voulu refuser le pouvoir, le roi soleil, donc tu étais démentiel, etc. Enfin voilà, tu vois, c'est peut-être un truc, voilà, ça a été initiatique pour toi. Après, Disons que ça serait un peu emmerdant pour l'État si j'étais vraiment Louis XIV, tu sais, je vais juste aller dire, attendez,
Ça, c'est ma baraque, là, Versailles, vous dégagez, je récupère les lieux. Mais oui, bien sûr. Bah, tu sais, c'est comme, on réfléchissait à la fois, tu sais, des fois, je me promenais au Père-Lachaise, j'habite pas loin. Et je me disais, ça se trouve, tu sais, c'est rigolo. Des fois, tu marches sur des vieilles tombes, tu sais. Et si ça se trouve, tous les jours, tu passes devant ta tombe, tu sais, devant la tienne d'une autre vie. C'est marrant, tu vois. Oui. Mais finalement, oui, je pense que, bon, ça, je pense que je trouve intéressant, si tu veux, les anciennes vies. Souvent, tu sais, on ne sait pas pourquoi on a tiré. Moi, par exemple, depuis petit, j'ai toujours été très attiré, alors que je n'ai pas eu de grands-pères qui ont fait la guerre par la Seconde Guerre mondiale. C'est un truc qui m'a attiré. Ça m'attire encore aujourd'hui. J'ai lu des tonnes et des tonnes de vie, autant que sur des généraux allemands que des généraux américains, que sur toutes les batailles. J'ai étudié ça, mais comme un prof d'histoire, si tu veux. Mm-hmm. Mais j'ai pas voilà, dans ma famille, personne n'avait fait la guerre, tu vois. Mm-hmm. Donc voilà, donc je pense qu'il y a certainement des gens, c'est le Moyen Âge, il y en a d'autres, c'est l'époque de Victor Hugo, etc., etc. Alors, je pense qu'on a des attirances comme ça qui nous parlent. Alors je pense que ça doit être, voilà, maintenant, c'est sympa, tu vois, mais finalement, c'est vrai qu'on viendrait te dire, c'est un peu comme si tu veux comment expliquer, comme les mondes galactiques, qu'on vient de te dire, oui, tu as un pléiadien, d'accord, ok, j'ai été un pléiadien dans une autre vie, c'est super, mais qu'est-ce que ça apporte ? Parce que les connexions, oui, avec les galactiques, c'est pas moi qui viendrais dire le contraire, peuvent apporter beaucoup de choses. Mais de savoir que vous avez été un soldat romain, vous avez été un roi, vous avez été... Oui, vous allez lire l'histoire, vous allez dire, ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est comme un bon film, tu vois, que tu regardes, tu dis, c'est génial, mais ça n'apporte rien. Dans la vie de tous les jours, ça n'apporte rien. Oui, sauf si tu arrives à avoir une connexion et que tu vas avoir une guidance, etc. On peut t'orienter, etc., t'aider, t'épauler, suggérer, sans faire le boulot à ta place, hein, parce qu'on est censé quand même personne ne peut aller aux toilettes à notre place, et surtout dans cette notion d'éveil sans fin, hein, je le dis tout le temps, hein, la métaphore que j'utilise tout le temps, ceux qui attendent le Messie ou les galactiques, etc., pour faire à notre place, ça le fera pas. C'est-à-dire, ça c'est de la déresponsabilisation aussi. Je sais que ça énerve beaucoup de personnes, et j'en suis désolé, mais c'est pas de moi. C'est une loi universelle. Il ne peut pas avoir d'interférence, d'accord ? Donc c'est le libre arbitre. On est obligé de faire le boulot pour nous. On va aux toilettes à notre place. On peut pas aller à notre place. Je prends toujours cette métaphore. Regarde le gars, il est un peu gros geek, un peu dégueulasse à 16 heures. Et chez lui, c'est vraiment l'hécatombe, d'accord ? Donc on est sûr qu'il va jamais rencontrer quelqu'un, etc. Donc ses potes, lui, se cotisent pour son anniversaire. Ils vont lui payer une femme de ménage, alors plusieurs heures, pas mal d'heures pour lui tout lui nettoyer. Bah, s'il change pas ses habitudes de vie un mois plus tard, ça va être un taudis de la même manière. Donc c'est pareil. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui ? Est-ce qu'on est prêt à... je suis forcé de constater que, oui, probablement une minorité, silencieuse ou peut-être plus qu'une minorité, mais je ne sais pas, une grande majorité, on est encore à l'âge de pierre, quoi. On est encore à se foutre sur la gueule dans tous les sens, à être fasciné par la violence. Quand tu vois, on hérite aussi du monde qu'on a créé, hein, je veux dire, c'est qu'on co-crée tous les jours. Hein. Quand tu vois, alors, peut-être ça a choqué certains, mais quand tu vois tout l'attrait qu'on a aujourd'hui sur le UFC, donc rien à voir, UFC que choisir, mais tous ces trucs de, on aura des gladiateurs hein, bientôt. Quand tu vois sur Netflix, t'as une fonction, alors je sais pas si ils l'ont viré ou pas, mais tu as des films vieux. Mate, là, les, ouais, non, non, mais t'as des films violents ou ultra violents. Alors, oui. Ah ouais, alors en fait, ouais, au bureau, en fait, c'est vraiment tendu, mon boss, il fait que de m'engueuler, après, je prends le métro, les gens s'engueulent et tout, enfin, tu vois, j'ai vraiment une journée de merde, oh, je vais me faire un film un peu hyper violent, quoi, histoire de bien me détendre, quoi, ça, je vais bien dormir, je vais pas faire de cauchemar, je sais pas, ça me fait du bien. Ah oui, c'est marrant ce que tu dis, parce que là où je fais mes cours, justement, je sympathisais avec le gars, et puis la dernière fois, je lui fais, oh, comment tu vas ? Il me dit, oh, j'en ai marre de ma journée. Elle m'a fait chier, vivement que ça se termine. Je dis, t'as bientôt fini. Il me fait, ouais, je rentre. Il me fait, je me mets sur les jeux vidéo. Et je vais sur des jeux vidéo bien violents et je vais me défouler, tu vois. C'est bien. Ouais, mais à la limite, attends, pourquoi pas ça ? C'est-à-dire que ça, c'est encore une autre histoire. Moi, je me souviens l'avoir eu fait. J'ai fait de la boxe, etc. Ça m'arrivait d'être énervé et plutôt que de somatiser, te faire 12 cancers, tu vas taper dans un bon punching ball. Alors, ça dure pas très longtemps. Au bout d'un moment, t'es mort. Et t'es bien.
Et en fait, tu as, ça, j'en parle, j'ai une clé qui s'appelle se lâcher, lâcher prise. Et je parle de péter un câble. Il faut péter un câble de temps en temps. Alors, on a besoin, si on garde tout en nous, il faut de temps en temps exprimer ça. Alors, pas tout le temps, évidemment, mais même crier, ça fait du bien. Alors, c'est mieux de crier dans l'eau, comme ça, tu évites de te péter les cordes vocales. Mais taper un bon coup, etc., ça ne veut pas dire que tu es un mec violent, etc. Ou... Mais il y a plein de nanas que je connais qui font aussi de la boxe pour ça. Pour... Après, tu es vidé, tu es bien, en fait. Et donc, tu as viré ton espèce de tes scories, tes trucs, là, ton agressivité, ton souffre en quelque sorte, ta souffrance. Et donc, tu t'en libères pas. Il n'y a pas de honte. Tu as, en Asie, une fois, c'était en Corée, un mec, il pète un câble, littéralement, il gueule comme ça dans le métro, alors que société coréenne, c'est comme les Japonais, hein, ça bouge pas d'une oreille. Hein. Et le mec, à la fin, il salue du genre « Excusez-moi, j'avais besoin de péter mon câble, tout le monde trouve ça normal. » Et bon, bah, pourquoi pas. Non, mais encore une fois, c'est ouais, pas… Oui, bah, c'est vrai. Donc, le mec, il va se défouler sur son jeu vidéo tant qu'il ne se défoule pas et il ne prend pas sa calache et qu'il va faire la même chose dans la rue. Enfin, tu vois, et bon, après, ça, c'est le danger, hein, c'est la bascule du monde ultra-violent qui est virtuel. Normalement, ça, c'est la société dans laquelle on est, effectivement. Mmh. Les films, les séries, et puis j'ai envie de te dire, il n'y a pas besoin de regarder un film ou Netflix, hein, excuse-moi, tu allumes BFM TV, oui. c'est un film ultra-violent du matin au soir, hein, donc oui, à un moment donné, en boucle. Voilà, donc c'est, je veux dire, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est aussi, on est dans un monde qui est fait que pour nous faire peur, que pour nous montrer de la violence, que pour nous diviser les uns les autres, et c'est de passer outre tout ça pour justement avoir sa propre conscience. Essayer à un moment donné d'être, comme tu l'as dit, d'être dans son ressenti, pas entrer dans une matrice, pas entrer là-dedans, d'être dans son propre ressenti intérieur pour un moment donné voir aussi. Alors, on ne peut pas faire l'autruche, parce que faire l'autruche, dans ce cas-là, comme tu dis, tu as visité la Mongolie, on se met au fin fond des steppes, dans une yourte, au milieu de la steppe, à 6000 km aux alentours, on ne vit plus avec personne. C'est une possibilité. Mais là, c'est sûr, on ne serait plus au courant de rien. Sans portable, sans rien, tu sais, comme au Moyen-Âge, c'est possible. Mais quand tu es dans un monde comme ça, j'ai envie de te dire, en Occident, ou j'ai envie de te dire, pour la plupart des gens, voilà, il y a un moment donné, on peut pas non plus… c'est essayer d'aller se nourrir le plus possible de choses qui nous font du bien, qui nous mettent en joie, comme tu dis. Oui. Et je pense que plus on le fait, et plus à un moment donné, on est en accord finalement avec nous-mêmes. En fait, ce que tu dis, alors j'ai toujours dit de manière vraiment détachée, j'ai toujours dit c'est super, beaucoup plus facile d'être hyper zen à 6000 mètres d'altitude au Tibet, t'as pas la violence du métro, le boss qui te saoule, etc., tes collègues, machin, enfin, ça c'est une évidence. Ensuite, donc, c'est un peu aseptisé, donc… cette notion pour revenir sur le fait de ne pas de refouler ses émotions, je pense que c'est un danger. Mais après, je pense qu'alors il y a un bon dosage. Attention à ce que je vais dire. Rumi disait la véritable connaissance, c'est l'art de savoir de savoir ce qui est bon d'ignorer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire, après moi, le déluge, je m'en fous de ce qui se passe à la télé, Proche-Orient, Ukraine et tout, je m'en fous complètement. Non. J'ai connaissance, ok, à minima, à titre personnel, je ne veux pas voir les images, je ne veux pas entendre certaines choses, ok. J'ai une conscience de ça et je vais essayer éventuellement, je ne sais pas, par la prière, par la méditation, d'envoyer de la lumière, etc., mais pas de combattre. Ça c'est super important de manière vectorielle, c'est-à-dire je vais pas alors guerrier de lumière, moi je suis désolé, c'est un oxymore, guerre, les pleurs, les basses vibrations et lumière, ambassadeur de lumière dans ce cas-là. Alors je sais que je chipote, c'est sémantique, etc., oui, non, mais en même temps c'est une question d'énergie, c'est pas le même rendu. Donc se battre entre guillemets contre des ombres ou bien émettre la lumière, ce n'est pas la même chose. Quand Mère Teresa disait, alors je sais, ça choque, je cite Mère Teresa, désolé, mais en l'occurrence, cette phrase est très juste selon moi et selon mon intuition et mon ressenti, et de beaucoup d'ailleurs. Elle disait tout le temps, en fait, ne m'invitez pas à une manifestation contre la guerre, mais si vous m'invitez à une marche contre la paix, alors je viendrai volontiers. Eh bien, ce n'est pas du tout la même chose. Se battre contre la guerre, c'est une force de réaction. Hein. En physique, les vecteurs sont opposés, d'accord ? Deux flèches qui s'opposent. Et l'autre, c'est rayonner. Donc ça, c'est un moyen
pour sortir notamment de cette dualité, de cette matrice, de ces zones de turbulence, être souverain, être aligné et souverain. Ça veut dire qu'on a connaissance de ce qui se passe, des choses qu'on n'aime pas, qui nous font peur, qui nous font mal, qui sont atroces, mais on a quand même cette espèce de bouclier, hein, ce bouclier de lumière, si on veut dire, et aussi cette épée, mais pas pour tuer, mais pour justement pour rester ancré dans cette luminosité, dans cette lumière, et on fait beaucoup plus de bien à l'humanité entière quand on rayonne, quand on apprécie la vie, des petites choses, quand on aide son prochain, etc. Il ne faut pas devenir partir à l'autre bout du monde dans l'humanitaire pour faire des belles choses, hein. Filer un coup de main à la grand-mère ou un mec qui est en panne dans la rue. Enfin, c'est du bon sens, hein. C'est des choses, parfois on le voit sur Facebook, Instagram, et tu vois le truc qui a été reposté 100 milliards de fois, j'exagère, mais et tu dis, ah, donc l'humain, en fait, s'extasie devant un truc qui est juste super normal, quoi. C'est peut-être justement un peu inquiétant qu'on s'en extasie quand même. Parce que c'est, enfin, je sais pas, il y a des choses comme ça où, je sais pas, c'est juste du bon sens. Toi, justement, qui as fait plusieurs pays, est-ce que tu as pu remarquer que dans d'autres pays, parce que je pense qu'en Occident, voilà, il y a peut-être une forme de déconnexion aussi, peut-être, tu vois, une certaine forme de réalité, même par rapport à l'humain, par rapport à... moi j'habite Paris, j'ai envie de te dire, je l'ai déjà vu de mes propres yeux, quelqu'un se fait agresser, il n'y a personne qui bouge, personne ne bouge, les gens ont peur, et dès que ça crie ou dès que machin, tout le monde est tétanisé, personne ne bougera. Donc est-ce que toi tu as pu voir dans d'autres pays au contraire beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus de simplicité aussi, car de simplicité, alors solidarité, simplicité. Alors moi j'ai vécu 10 ans en Chine. Bon, je ne vais pas énumérer tous les pays dans lesquels j'ai vécu, mais j'ai 2 ans et demi en Turquie, j'ai vécu plusieurs années en Indonésie, etc. Bon, si tu veux, alors la solidarité en Chine, pas trop. Franchement, non, même pas du tout. Mais il y a quand même, enfin, c'est moins électrique, c'est beaucoup moins tendu. Moi qui suis pas hyper sensible à la base, qui ressent beaucoup, qui voit même un petit peu à travers, un peu comme des nuages, etc. Tu parles de Paris, bah j'ai fait justement avant la Chine, je suis passé quelques semaines. Enfin pas qu'à Paris, j'étais aussi bon. Et je le sens comme c'est orageux. C'est comme si on a l'impression que ça peut péter à chaque seconde. C'est une métaphore, mais vraiment c'est électrique en fait. Alors après dans les grandes villes. Enfin, de province, Lille, etc. Enfin, c'est un peu la même chose, mais moindre. Bon, après, quand tu vas un peu plus dans les endroits un peu plus paisibles, ça va. Mais franchement, et la France, je suis désolé. Alors, la France, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que la France elle a un rôle à jouer aussi dans cette prise de conscience, parce que la France, j'aime pas les généralités, mais en gros, les Français, ça, on réfléchit, on philosophe, ça refait le monde. Même tu vas dans un troquet, dans un PMU, Jackie refait avec Bébert le monde, tu vois. Et ça, c'est plutôt encourageant. Moi, justement, en Chine, j'ai cruellement manqué de discernement, de sens critique, ça ne veut pas dire négatif, hein, ça veut dire tri et crisis en grec. Hein. Donc en France, on nous la fait pas trop comme ça, on nous endort pas trop. Pourquoi c'est le premier peuple à faire la révolution, à s'émanciper de cette matrice qui était à l'époque, c'était la royauté et basta, il n'y avait rien d'autre. Eh bien, justement pour ça. Donc, mais pour le meilleur ou pour le pire, c'est qu'aussi, trop de contestation, tue la contestation. Il y a un moment aussi, pas content, oui, on veut quoi ? Qu'est-ce qu'on veut concrètement, pragmatiquement ? Qu'est-ce qu'on peut établir des idées ? On peut encore rêver, on peut faire des choses. Alors, à me dire oui, mais c'est facile quand tu es à l'extérieur, etc. Oui, dans les pays que j'ai cités, on n'a pas tous les avantages aussi de la France. Bon, bref. Mais pour revenir, c'est beaucoup plus paisible à l'étranger, ouais, ça c'est sûr. Alors, il y a d'autres problèmes, hein, pauvreté, etc. Il y a, je te disais, la Chine, bon, peut-être pas dire des choses à l'antenne que je ne peux pas dire. Donc, si je ne peux pas les dire, c'est peut-être aussi, vous comprendrez qu'il y a peut-être un problème. Mais sinon, hormis ça, oui, c'est beaucoup plus paisible. C'est moins électrique, les gens se jugent moins, les gens sont beaucoup moins, agressifs. Alors, il y a moins de débats aussi. Il y a plus de bienveillance peut-être. Mais encore une fois, il n'y a pas d'Eldorado. Hein. Je peux donner plein de... La Mongolie, peut-être ? La Mongolie, il y a 2,8 millions d'individus pour un pays qui fait 4 fois la France. Donc, si tu veux, ouais. J'avais regardé, c'est le pays, je crois qu'il y a...
0,97 habitants au kilomètre carré. Donc, dès que tu rencontres quelqu'un, tu lui fais un câlin, quoi. Parce que t'es trop content de... il y a plus de moutons, de chèvres et de chevaux hein, sauvages, quoi. Bah oui, il y a personne, donc c'est pas... Bon, après, à l'époque, ils ont quand même fait peur à l'intégralité de l'Asie, de la Chine et jusqu'en Hongrie, hein, ils sont allés. Donc, Non, mais justement, tu parlais, tu avais été en... Je trouve que là, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été très attiré par la Mongolie. J'y suis jamais allé, mais je trouve que ouais, il y a quelque chose de, je sais pas. C'est un pays qui m'a toujours, je rêverais d'y aller un jour. Ouais. C'est magnifique, c'est sauvage en fait. Il y a pas de civilisation. C'est. T'as l'impression en fait, j'en ai restitué un ouvrage qui s'appelle Mon cœur, bat la chamane. Ok, la chamane. Bien dit, en tant que dyslexique, mais la chamane, je joue avec chamane. Et je restitue avec justement les photos sur place, etc. Et puis, bah, l'épopée avec la chamane pendant 12 jours, les épopées à cheval, etc. etc. Et quand je prends des photos, en fait, tu te dis, mais en fait, je pourrais être à l'époque des dinosaures, comme au Moyen-Âge, comme. Il y a aucun indicateur de temps. Il n'y a pas un pylône, il n'y a que dalle. C'est magique. Après y vivre, en plus les conditions sont extrêmement dures. Il neige 9 mois de l'année, donc je me souviens, j'étais allé en août. Dès le 20 août, il commençait déjà à neiger, etc. Donc bon, bref. Ouais, c'est sûr, c'était arrivé en tatane en short, ça devait être dur. Et ouais. Voilà. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire sur finalement? Tu vois, sur les rapports aussi, entre guillemets, oui, de les relations, parce qu'on arrive bientôt à Noël, donc tu sais, familiales aussi, en rapport avec la matrice. Parce que tu sais, des fois, c'est extrêmement tendu. Le père, la mère, les frères, les sœurs, les non-dits, toutes ces choses. Et comme on arrive bientôt à Noël, tu sais, Noël, contrairement à ce qu'on croit, les enfants sont là, ah, c'est bientôt Noël, c'est génial. Puis alors les adultes, souvent, plus tu vieillis, plus tu fais, putain, c'est Noël, c'est bientôt Noël, et là, sort des disputes de famille, ce genre de choses. Quoi. Oui, les conventions, en fait, la matrice, c'est aussi les conventions, c'est le système, c'est les conventions pour qu'on s'offre des cadeaux, pour qu'on est gentil, pour qu'on se pardonne à Noël, ou ceci, cela, tu vois, pour qu'on n'ait pas toute l'année Noël, pour qu'on ne se fait pas des cadeaux, enfin, c'est toutes les questions, en effet, qu'on peut se poser. Mais après, pour les relations de famille, les hypocrisies, les non-dits, comme tu dis, etc., bon, comme on dit souvent, on choisit ses amis, on choisit pas sa famille, quoi. Je veux dire, il y a dans toute famille, t'as celui qui divague, qui est vieux con, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est des archétypes, c'est comme ça, et en même temps, c'est une sorte de matrice. La famille est une sorte de matrice, mais en même temps, quand on reconstitue sa propre famille, c'est là où tu sors quelque part de la matrice, même si encore une fois, pareil, ce sont des schémas imposés, tels qu'on nous les a donnés. Je te parle de ça parce que je trouve que la famille est une grande matrice qu'on nous impose dès l'enfance. Tu vois, faut aimer le père, faut aimer la mère, ouais. Faut aimer ton frère, faut aimer ta grand-mère. On nous impose plein de choses. On nous conditionne pendant les 20 premières années de notre vie pour finalement s'apercevoir les trois quarts du temps, en fait, que bah, pendant les 20 prochaines années de notre vie, on va dire de nos 20, nos 40 ans, on a joué le jeu de papa, on a joué le jeu de maman, on a joué les peurs de papa, on a joué les peurs de maman. Ah, on a, je te casse, qu'à un moment donné, à 40 ans, tu finisses un petit peu par te libérer un peu de tes parents en disant peut-être que maintenant, je vais me déconditionner de tout ce que j'ai entendu et finalement décider et un petit peu aller dans mon propre ressenti. C'est pour ça que je dis ça par rapport à la famille. Ah oui, mais complètement. Mais tu sais combien de personnes ont fait telle ou telle étude, ont se sont devenues telle ou telle à cause du rêve gâché de papa ou de la volonté de maman, etc. Pour faire plaisir, mais il y en a énormément, énormément. On est extrêmement conditionné, plus qu'on ne le croit. Et encore une fois, par adhésion ou par rejet, et ou par mix, mais on a forcément une influence. Ça c'est sûr. Reprenons la genèse. Hein. Matrice signifie la mère. Hein, étymologiquement, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que cette matrice, elle est forcément incorporée dans ta parenté. C'est logique. Elle a une influence considérable, et qu'on le veuille ou non. Et l'absence aussi, l'abandon, etc. Enfin, tout ça, ça a une influence, bien entendu. Très bien. Bah, merci beaucoup, Aurélien. Merci beaucoup pour cette... On pourrait en dire beaucoup, beaucoup plus. Oui, j'imagine. Peut-être certaines personnes auraient voulu...
qu'on parte un peu plus davantage dans, et on pourrait, hein, on pourrait aller bien plus loin, mais voilà, en fonction aussi de toi, de des questions, des, mais voilà, je pense que si on a déjà, on a déjà un petit peu voilà, ça y est. Mais voilà, si je devais résumer les conseils entre guillemets pour aussi en guise de conclusion, introspection, se connaître soi-même, hyper important. Pourquoi on est ça? C'est quoi tous nos masques en fait qui font que nettoyage de nos traumas, l'aligner, le karma, ça c'est super important. Et ensuite d'analyser comment fonctionne le système, toutes ces biais que l'on a, les biais cognitifs, les biais, enfin, il y en a 250 de biais, hein, donc, et aussi d'essayer d'être davantage plus dans l'empathie pour comprendre pourquoi. L'empathie, c'est assez simple, c'est la projection dans le schéma intégré de l'autre. D'accord? Donc, ça permet d'amplifier son champ de conscience. Ça, c'est de l'opérationnel, hein, c'est la prière opérationnelle. Ça veut dire que tu recouvres même des gens qui n'ont pas ton avis. Moi, je donne à titre indicatif, c'est ce que je m'applique depuis que je suis gamin, de toujours, dès que vous avez un point, une idée, essayez, enfin, ou un thème, essayez de trouver 3 ou 4 ou 5 arguments en faveur et contre. D'accord ? Donc, ça veut dire, ce n'est pas de la schizophrénie, mais ça permet toujours d'élargir comme ça. Et le conseil le plus important et le plus simple, surtout, pour sortir de la matrice, je pense que c'est d'être aligné, de rayonner, d'être bien, en harmonie. Il y a plein de techniques. J'en donne 65 dans mes différentes clés, dans un ouvrage qui s'appelle Sage Passage. Voilà. Donc, c'est de rayonner et aussi d'être conscient de ce que l'on veut, de dépeindre la société idéale, de notre vie idéale et d'y croire dur comme fer. Et encore une fois, pour revenir à ce que je disais sur Einstein qui disait « faites vibrer la fréquence de la réalité que vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir, ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la science. » Voilà. Il y en a d'autres, il y a plein d'autres concepts, il y a plein d'autres conseils et deux concepts aussi. Voilà, mais sinon, ça prendrait beaucoup de temps. Voilà. Merci beaucoup, Aurélien. Merci à toi. Je t'en prie, Anatole. Merci également à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Je vous rappelle la prochaine conférence, un nouveau numéro, avec Cindy Dubois, présentée par Amélie, sur le portrait ésotérique du mois, l'épisode 1, ça sera sur Marie-Antoinette. Voilà, ça sera demain soir à 20h30. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée, une très belle nuit. Je rappelle toutefois que vous pouvez retrouver, si vous voulez suivre Aurélien, vous avez les infos sous la vidéo, sa chaîne YouTube, ainsi que son site, pour retrouver tes ouvrages et aussi ton actualité sur ce que tu proposes. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle nuit. Merci à tous. Bonsoir, merci.